Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Au sommaire, ce lundi 3 septembre marque officiellement l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019 sur tout le territoire national. En cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, et plusieurs autres personnalités ont pris part à des cérémonies de lancement de l'année académique aux écoles nationales Célie, Lille-Avrois et de la République du Brésil. Le chef de l'État et la première dame, Martine Moïse, ont distribué des kits scolaires, des ouvrages et des uniformes aux élèves. L'État aujourd'hui a respecté à la lettre parole, maman, loi, constitution qui dit si moun sorti première année, privé sixième année, pas de payer dans l'école. Déjà, contrairement à ça, me demander, nous sommes capables de vérifier la banque déjà recevoir eh bien, l'argent 50% pour payer pour 750 000 timouns qui nous dans la première année, qui dans la sixième année. Quant à moun qui dans le lycée, instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, à ça, quel que soit timoun qui dans le lycée, il n'y a pas de plus passer 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes là, tout le bagage là-dedans. Frais d'examen, dépliant. On est pour ne pas respecter ça, nous dit là. Et nous prêts pour nous révoquer tout le monde qui contraire à l'homme, qui contraire à ça, l'État dit. Et nous dites ça, je dis à tous. Nous-mêmes, dans l'équipe, ça, nous prenons engagement après 5 ans présent, je viens là. Pour nous aller, pour l'aller, pour gagner dans le système éducatif haïtien, pour ne pas rien mettre dans la salle de classe avec l'État. Nous ne pas gagner l'État, si nous-mêmes nous battons l'État responsable, nous sommes capables d'agir sur ça. Parce que pour nous entendre dans la salle de classe, c'est l'État pour nous-mêmes, c'est l'État qui est autorité nominative. Mais j'aimerais regarder ce qu'on fait dans des autres là. Nous venons nous dalle dans la salle de classe. Je dis, nous traitons tout ça. Seul quand nous va traiter, c'est une équipe qui nous rejoint. Des gens qui ont un système d'assaut avec faux papiers. Et dans ce sens, nous dévoyons dans la Chambre des députés, dans le Sénat, le président de la commission d'éducation là, qui est capable de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevoir l'aide, qui recevra non adresse enseignants qui prend l'état d'assaut. Nous combattons la corruption à tous les niveaux. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui est inclusif, c'est la société qui est inclusive, c'est le pays en général. Donc, une ville là qui est solidaire, qui pour faire que mon pays que nous rêver. C'est donc aujourd'hui, si nous entre l'école, mais entre l'école, ça a fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien, pour tout haïtien de tête ensemble, parce que c'est une meilleure société. Dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer par ici, nous encadrement. Mais m'a dit tout. Là, nous prenons une décision pour nous entrer dans l'État sur le concours. Si nous avons réussi à ouvrir l'école aujourd'hui, pour l'heure, nous arrivons dans l'âge, côté où finit l'école, nous faisons l'université. Pour ne pas obliger son monde, pas pour nous venir qui vous faire un job dans l'État. Diverses activités ont marqué ce lundi l'ouverture de l'année scolaire dans la Grandance, comme partout ailleurs sur le territoire national. Entre autres, une messe d'action de grâce a été chantée dans la ville de Jérémy pour placer le retour des enfants à l'école sous la protection divine. Sans l'école, une société est une. Sans l'école, un pays disparaît. Celui qui va à l'école peut continuer à espérer. Une façon de vous dire, chers élèves, l'école est importante. Chers élèves, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre vie future en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Première journée, ça, c'est bien réussi dans la mesure où attente nous comblée, mais ça a bien passé. Timoun yo là, yo prep yo l'école, moi tout par à pied d'œuvre, donc l'ouverture est assurée. Attente nous, c'est que l'école a fonctionné, professeur yo, directeur yo, inspecteur yo, fait travail yo, et chaque monde qui vient en classe, bail temps d'apprentissage là, augmenté, bail timoun yo, ti sa gwini pou yo même yo gen espoir, gen un avenir meilleur, même j'en avais nous aujourd'hui en tant que dirigeant.
Des kits scolaires ont été distribués à de nombreux enfants dans le département de l'Artibonite dans le contexte de la rentrée des classes ce lundi 3 septembre. C'est le délégué départemental Herbie Dalencourt qui en assurait la remise, comme c'était le cas aujourd'hui, à l'école nationale de Pont-Gaudin située dans la ville des Gonaïves. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en sa tête Emmanuel Bernard, accompagné du directeur départemental du MINF du Nord, Dominus Tuyer, ce lundi 3 septembre, des kits scolaires à plusieurs élèves et parents. Cette activité s'est déroulée dans l'enceinte de l'auditorium du lycée Philippe Garnier. Kits scolaires, là, son geste l'État, son geste gouvernement. Pour montrer que la question de Haïti solidaire, là, c'est un bagage qui est important. Mais tout, c'est pour aider ça qui n'est pas capable, ça qui gagne moins de moyens, joindre une façon de plus pour voir les gens à l'école et aller ça. Nous connaissons que la question est dure, donc le ministère, là, il fait un peu l'effort, il met des livres, il met des uniformes, il met, je dis, des kits scolaires. De telle sorte que pour encourager Timounio à retourner à l'école rapidement. Nous avons distribué kits scolaires en même temps que nous sommes motivés, les parents, les élèves et la collectivité, sur l'ouverture et sur l'enjeu d'éducation, sur l'importance d'éducation en Haïti. Nous parlons d'une éducation inclusive, comme c'est le thème ça qui est retenu pour l'année. Une éducation inclusive pour une Haïti solidaire. Ça veut dire, nous disons éducation, c'est tout qu'on la donne. Pas qu'on éducation rabais. Pour les écoles privées, qu'on programme. Pour les écoles publiques, qu'on programme. Pour les écoles privées, des professeurs travaillent. Pour les écoles publiques, ne travaillent pas. Maintenant, nous disons que, faut pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des revendications qui sont nobles. Pour capable satisfaire les revendications au fur et à mesure. Mais au même temps, faut que vous compreniez que les élèves n'ont pas perdu du cours. J'en ai perdu du cours l'année passée. Pour capable au moins comprendre un jeu de l'éducation pour éviter éviter déçu, éviter trop écart au niveau de la société, éviter division, tout ça. Il faut que Timounio ne pas frustré pour l'école privée à travailler. L'école privée pas travail. Ouais, nous demandons à ce que vous même capable en tant que parent, en tant que professionnel. Maintenant, puisque l'État doué, l'État a payé, c'est pour qu'on l'ait nomination dans mon l'État a payé arrière les salaires. Maintenant, il faut que embarquer pour que l'année ça nous passions une belle année scolaire. Des élèves du département des NIP ont pris ce lundi 3 septembre les routes de l'école. En cette occasion, des autorités du département ont organisé un ensemble d'activités pour lancer l'année scolaire. Divers établissements publics et privés ont rouvert leurs portes pour accueillir les élèves. Chers élèves, chers jeunes, vous représentez l'avenir du pays. Nous qui sommes ici, nous étions jeunes comme vous. C'est vous qui allez nous remplacer demain. Vous devez donc vous adonner à vos études, sinon la vie vous sera difficile. Nous avons de la peine aujourd'hui à constater des hommes et des femmes de notre génération qui vivent difficilement la vie. Depuis toujours, dans la société, il existe des gens qui gagnent leur vie décemment, tandis que d'autres ne le sont pas. Caractérisés par la force et l'énergie que vous devez en profiter pour vous préparer. La réussite appartient à ceux qui se sont sacrifiés pour se former à la jeunesse. Je suis content parce que je viens de parler. Il y a des parents qui n'ont pas de possibilité de faire des valises. Je suis content parce que je viens de parler. Je dis Jovenel Moïse, merci. Tout le monde. Dieu est débattu. Je dis merci. Je dis dirigeant, merci. On va parler éducation à nouveau. Le député de Jacques Maël appelle le ministère de l'Éducation nationale à en place à trouver une entente avec les organisations syndicales en ce sens. En tant que président de la commission éducation à la Chambre basse, le député annonce qu'une rencontre sera tenue avec le prochain titulaire du MINF dans le but d'envisager la meilleure formule pour garantir le succès de l'année scolaire. Parce que les parents ont le courage, parce que les parents ont l'engagement de la bonne oeuvre et les parents ont accompagné les timoniaux et sont capables de faire étudier les soins. Professeurs ont présenté dans la salle de classe pour faire cours.
un message pour enseignants, nous connaissons un métier difficile. Je ne vais pas payer nous assez pour permettre ça. Même quand c'est son choix pour payer. Et vous ne pouvez pas camper là, parce que nous devons battre jusqu'à ce que vous ayez importance à un métier ça qui est un métier difficile. Et sans professeur, pays n'a pas avancé par cadre. Il y a un pile de débat qui fait sur la question manuel scolaire. Comme dit nous jusqu'à présent, manuel, il y a un pile là de beaucoup sur le marché. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème qui existe entre la maison des champs et le ministère de l'Éducation nationale. Et d'abord, la maison des champs demande que le chèque soit disponible avant de mettre les lieux sur le marché. Et c'est comme ça chaque année, ils ont fait d'après l'information de M. Deschamps bail. Mais pour le ministère, que si on l'aide d'engagement, Deschamps est capable de mettre les lieux sur le marché et de faire un chèque là. Je vais apprendre que le ministère des Finances a travaillé sur ça pour mettre comme la disponible rapide pour que les lieux sur le marché très rapidement. Autre nouvelle, le bureau du Sénat de la République s'apprête à inviter le Premier ministre Jean Rességuin à se présenter par devant l'Assemblée pour faire l'énoncé de sa politique générale. Le rapport de la commission spéciale chargée d'étudier le dossier de M. Séan étant finalisé, le Grand Corps n'est plus responsable du retard enregistré dans la déclaration de politique générale du futur chef du gouvernement, argumente le président du Sénat, Joseph Lambert. Selon lui, l'exécutif n'a toujours pas communiqué la liste des membres devant constituer le prochain cabinet ministériel, déplore l'élu du Sud-Est. Il est question que le Premier ministre a présenté et soumette à l'appréciation sénatoriale copie déclaration politique générale là 48 heures à l'avance. Jusqu'à présent, rien. Deuxièmement, il était impératif tout pour que nous assurions que le Premier ministre ainsi que le président de la République là, de commun accord, mettez d'accord déjà sur formation cabinet ministériel. Ni moi-même, et moi-même comme président Sénat, et le président Gary Baudot, et le commun des mortels dont nous-mêmes la presse, très certainement, nous sommes capables de gagner une rumeur sur quelques mounes, femmes ou bien garçons qui étaient dans le cabinet ministériel là, mais nous pouvons même former même de composition cabinet ministériel là. Nous avons précisé que commission spéciale qui travaille sur le dossier pour le ministre, ils sont prêts. Et ils sont prêts depuis la semaine dernière. Et je dis à même à recevoir on lettre de commission, qui va venir même demain, qui va venir mardi, mercredi, ou bien jeudi. Parce que l'impératif pour que c'est 48 heures à l'avance, tout sénateur gagne un dossier ça, puis ils sont capables d'approprier au delà. En façon pour que vous adressiez des questions pertinentes au Premier ministre sur des éléments contenus dans sa déclaration de politique générale. Le député de la circonscription de Caille-Ilavache a dit soutenir la proposition de la commission spéciale d'amendement de la Constitution de réduire la quantité des parlementaires en vue d'alléger le pouvoir législatif dans le budget national. Une telle décision devrait favoriser la construction de plus d'infrastructures et de travaux de développement dans l'intérêt du pays. Pour t'avoir un grand sénateur pour chaque département. Parce que sincèrement, moi-même en tant que député aujourd'hui, je réalise vraiment que chaque grain député, et par rapport à coût, les coûts de trésor public là, qui sont coûts normal, parce que pour un député fonctionner, il y a un ensemble de bagages qui doit être à disposition pour fonctionner. Mais lorsque une quantité de députés au multiplie le pas et valeur bagages qui doit être disponible pour un grain député, il y a une quantité qui vient tout non poids lourd pour budget national là, pour trésor public là. Et là, on a regardé le niveau de pauvreté pays à gagner. Au lieu que nous t'allions dans le sens que moi-même, moi, t'es allé tout anciennement, qui c'était goumé pour chaque commune d'Avignon gagner un député. Par exemple, moi-même, au prime abord, après, je t'ai goumé en tant que député au cas qui lavage, pour il avage, je viens de pour député parle. Mais dans le niveau nous, ouais, pauvreté à lui-même, là, pour augmenter dans le pays, à, niveau misère gagner, hein, niveau des chances économiques pays à pour aller là, nous estimons que si d'Avignon une réduction sous nombre parlementaire, tant à la chambre basse qu'à la chambre haute, l'étape fait population du bien. Parce que là, on additionne eh bien, et multiplie tout. Eh bien, et qui ça qui doit être disponible pour un grand député fonctionner, eh bien, par nombre de députés gagnés, nombre de sénateurs qui gagnent tout, ça fait en pile mal sur le plan économique à PIA par rapport à sa PIA qui a disposé en termes économiques.
C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À très bientôt.